Comment faire du staking sur MetaMask, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir staker notamment de l'Ethereum, staker du Matic avec l'application MetaMask. Donc, ce sera sur ordinateur. C'est beaucoup plus simple de faire du staking sur MetaMask sur l'ordinateur, même si l'application elle devient de mieux en mieux. Ils font pas mal de mises à jour. Dans un premier temps, pensez à rejoindre le canal Telegram. C'est là que je publie mon contenu exclusif. Je vous parle des nouveaux protocoles, des nouvelles blockchains. La dernière publication, je parlais du airdrop de Sei. On va se mettre très très bien pour les personnes qui ont participé au réseau de tests. Je pense que c'est typiquement le genre de airdrop qui peut nous permettre de gagner entre 500 et 1500 euros gratuitement. C'était un testnet qui était totalement gratuit. Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait plusieurs adresses. On aura le résultat lundi. Donc rejoignez le Telegram si vous voulez en savoir plus. On revient sur notre MetaMask. Donc, pour accéder à ce portfolio, il y a très peu de gens qui utilisent cette fonctionnalité. Vous cliquez sur MetaMask, vous rentrez votre mot de passe. Il faudra absolument cliquer sur la fonctionnalité MetaMask Portfolio. C'est une fonctionnalité qui est relativement récente. Je pense que ça existe depuis moins d'un an. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. On va dans Portfolio View. Donc, par défaut, c'est en anglais. Et ensuite, vous allez atterrir, regardez, juste sur cet accueil. Donc, le dashboard du portfolio qui est juste ici. Voilà, vous atterrissez sur cette page. Je vais fermer quelques pages et on va continuer le tuto ensemble. Donc, vous atterrissez ici sur ce portfolio MetaMask qui va vous afficher donc vos adresses. Pensez à connecter les comptes que vous souhaitez. Peut-être que vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai une trentaine. Ils acceptent seulement donc 10 sous-comptes à la fois. Donc, vous pouvez aller sur le dashboard, regarder un petit peu l'argent que vous avez. Le plus important, nous, ce qui va nous intéresser, hein, ça va être de faire donc du staking. Donc, on va aller sur la fonction stake. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez en acheter. Si vous n'avez pas d'Ethereum notamment, donc ça va se passer sur la blockchain Ethereum. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Buy. Le minimum, il me semble qu'avec MetaMask, c'est 25. Voilà, c'est ça, 25 euros. Vous pouvez en acheter à partir de 15 euros sur Binance et vous l'envoyez sur votre adresse. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité de staking sur MetaMask, vous cliquez sur Stake. Et ensuite, choisissez la crypto-monnaie de votre choix. Il y en a deux pour le moment. Il y a Ethereum, ETH et Matic. Les deux sont sur la blockchain Ethereum, faites attention. Donc, on va pourquoi pas commencer par staker de l'ETH. On stake. On clique sur max. Alors, je vais mettre la moitié, comme ça le reste, je pense que je vais le mettre en Matic. Je vais vous montrer comment staker du Matic. Avec Lido, ça nous permet de gagner à peu près 4% par an, donc c'est hyper intéressant. Vous voyez, on a nos rendements à peu près en annuel, en mensuel 0,03. Je trouve que c'est très bien fait. Donc, on met, vous voyez, 8 euros, l'équivalent de 8 euros en Ether, et on touche 0,3 par an. Vous voyez, ça peut vous faire un beau revenu passif, hein, si vous avez un peu plus de moyens. Là, je vous fais un exemple. On met des petites sommes, évidemment, sur l'une de mes adresses secondaires. On confirme. Rewards 3,81, vous voyez. On confirme et on va avoir la transaction à signer. Juste ici, évidemment, ne faites pas ça pour des transactions qui sont trop petites parce qu'on est sur Ethereum. Vous allez avoir des frais. Là, regardez, par exemple, on a 11 euros de frais. Donc, si c'est des sommes qui sont trop petites, ce ne sera pas forcément intéressant. Vous pouvez aussi staker. De l'Ether, du Matic, pardon, on va voir ça ensemble. Donc pour le Matic, c'est pareil, on se retrouve sur la fonctionnalité Stake, on sélectionne le Matic et on va pouvoir notamment regarder là. Donc là, la pool par exemple est remplie, il n'y a que Lido Staking donc sur Ether. On clique sur Matic, c'est exactement pareil, on sera toujours sous cette blockchain Ethereum, on aura en fonction à peu près donc 10 euros de frais. C'est le seul inconvénient de cette plateforme sur Ethereum, cette blockchain, c'est qu'on a quand même quelques frais qui peuvent être importants. Donc c'est un petit peu mieux si vous voulez notamment envoyer vos transactions, d'utiliser ça pour pourquoi pas
Le week-end, c'est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup moins de frais. Et donc si on veut du Matic, vous faites pareil, vous convertissez une partie de vos Ethereum en Matic, vous aurez du 4,28% et vous les envoyez, ça va vous coûter à peu près 10 euros la transaction. Vous pouvez avoir une estimation de vos rendements. Donc voilà, vous savez comment staker vos Ethers et vos Matic sur Ethereum. Pensez à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Pensez aussi à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien en commentaire et en description. C'est là que je publie tout mon contenu exclusif. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez aussi à vous abonner.